On est à 5 km du sommet du mont du chat. C'est parti, on est encore dans le peloton. Là, ça accélère bien. On va être protégé par Henrik Mas qui va pas tarder à craquer aussi. Ce serait excellent qu'on arrive à passer, même si ça va me sembler compliqué. Allez, Jungels du coup qui a encore fait un effort au sommet de la côte de Jonjieu et qui donc est encore à la fin. Mais voilà, il aura fait une belle étape en tout cas aujourd'hui, Bob Jungels. Il va peut-être prendre le maillot à poids, je sais pas trop. Allez, 1, 2, 3, on est là. On est présent. Encore 4 km 201. Ça va être compliqué. Je vais donner déjà Pozzo Evo parce que je pense qu'il en aura besoin pour passer quand même. Allez, c'est la UAE qui roule à l'avant. Moi, je vais attendre un peu pour le prendre, le mien. Je vais attendre un petit peu pour le prendre parce que je pense que ça se trouve, on peut passer sans si ça s'arrête totalement. Donc, je vais attendre un peu. Allez, c'est Pierre Roland qui s'amène à l'avant du peloton. On a Kreder qui est très très loin, du coup on a quand même pas mal d'équipiers encore. On reprend Jungels hein, qui est donc tombé en défaillance. Voilà, et puis ça roule pas. Donc ça se trouve on peut passer sans prendre un gel, mais ça va accélérer. Hein. Avec Alexis Villarmos qui se ramène à l'avant. Allez, on va pas. Je vais le prendre au fur et à mesure parce que le but c'est pas d'utiliser toute notre barre rouge. C'est une erreur, hein. Faut pas laisser tomber la barre rouge, ça sert à rien. Ça sert à rien, faut le faire dès le départ. Et puis justement, à la fin, vous faites tomber la barre rouge et puis vous prenez au fur et à mesure. Allez, Tchekoul ici et tout qui se font distancer. 60 quand même, c'est beaucoup, hein, 3 km du sommet. Je pense qu'il y a moyen de passer quand même. Je pense qu'il y a moyen de passer sans trop s'avancer. Parce que là, il n'y a personne qui attaque. Alors qu'ils ont l'air bien pourtant les concurrents, hein, mais ils ne tentent pas d'attaque. Allez, on reprend un peu de gel rouge, de gel bleu, pardon. Allez, 2 500 km avant de tomber dans la descente. Attention à Vasil Kirienka. Mas qui craque, je vais demander à Sepulveda de venir. Et Pozzo Evo, je vais pas le faire chier. Hein. S'il peut jouer un général de son côté, il va le faire. Par contre, je vais pas lui demander d'attaquer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que sinon on peut tenir. Je vais pas lui demander d'attaquer pour nous faire craquer justement à la fin. Allez, c'est Marxeler qui va à l'avant. Et là, Marxeler il fait mal. Hein. Il y en a plusieurs coureurs qui craquent à l'arrière. Dont nous, dans quelques instants. Hop, Sepulveda qui va craquer. On lui donne le rouge, mais il craque quand même. Allez, 2 km, 2 km. Est-ce qu'on est capable de tenir? Avec le maillot jaune, je vais prendre mes derniers restes de gel bleu. Mes derniers restes de gel bleu, je pense que ça peut le faire. Hein. Je pense que ça peut le faire. Si pourquoi pas en prime, on peut se permettre de passer en tête au sommet. Ce serait excellent. Mais là, 1 500 km, le but, c'est surtout de rester en groupe. Ah oui, d'ailleurs, j'ai joué les points avec Jungels au sommet du Grand Colombier. J'ai pas réussi à passer en tête. Ça, c'est un peu con. Mais je suis même tombé en défaillance, hein, carrément. Vu qu'on a 75 montagnes et lui 77. Donc ça me semblait assez logique. Que lui il a réussi à nous distancer. Allez, à 1 300 km. Je vais pas demander à Pozzo de m'attendre. Hein. Ça changerait rien de toute façon. 1 300 km. On va pas résister. Hein. On va pas résister avec 1-2-3. Cette mauvaise forme qui nous fait très très mal aujourd'hui. Ah, il y a 1 km du sommet. 1 km du sommet. On est obligé de se faire distancer. Ce serait excellent que ça décélère. Là, dans la plaine, on revienne. Allez, 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 c'est possible, c'est possible. Bon, il y a beaucoup de cris derrière moi. Les jeunes de la cité, vous connaissez. N'importe quoi. Allez, 43ème. Le peloton qui se distance là. Le peloton qui commence à se distancer. Allez, faut s'accrocher dans les virages. Faut s'accrocher dans les virages. Pozzo Evo, lui, il va s'accrocher, ça c'est sûr. Allez, 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 allez. Au moins, perdre pas énormément de temps et revenir dans la descente, ça serait déjà pas mal. Allez, la roue des Nao. Sergio Luis et Nao passer entre Sutsu et Nao. Là, on n'est pas si loin que ça. Hein. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Je pense que revenir, ça peut être faisable dans la descente. Ça peut être envisageable. C'est vrai que ces pourcentages là du mont du chat, ils font très très mal. Allez, 26 km avant l'arrivée à Chambéry. Le peloton qui passe en tête au sommet. Je sais, ça doit être Soler qui a dû prendre des points. Allez, on a perdu 1 minute. Hein. On a perdu 1 minute, mais avec tous les groupes, je pense que c'est possible de revenir dans la descente. Donc on va être parti pour cette descente vers Chambéry. Allez, allez, plongée, je me souviens plus trop de notre note de descente. 75, ça passe, ça passe, ça passe. Allez, on peut peut-être faire quelque chose. Vous savez quoi, je suis tombé. Bah oui, je suis tombé dans la descente comme un con. Du coup, j'étais presque dans le groupe de 7 là devant. Et puis du coup, je suis tombé. Allez, bon, on va peut-être rentrer quand même. Mais ce sera pas sans utiliser d'énergie. Allez, 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 hop. Vite, vite rentrer pour pouvoir se reposer dans les roues. Ok, c'est bon. C'est bon. En plus, ça a pas l'air trop roulé. Bon, par contre, clairement, 43. Après un mont du chat, c'est une blague. On est clairement sur une grosse blague. Bon, c'est dommage qu'ils aient programmé l'étape comme ça. Hein. C'est très bien qu'il y a des scripts dans le jeu, mais ils sont obligés sinon.
Personne ne roule toute l'étape. Mais programmer cette étape comme ça, c'est vachement nul quand même, qu'il n'y ait aucune attaque. Je trouve ça décevant parce que peut-être que des fois il y a du réalisme, mais moi je préférerais du spectacle au réalisme dans le jeu quand même. Je pense que vous êtes d'accord, il y a quelques attaques là. Nibali, Bardet, Ouran, Porte, Reichenbach. Oui, faut pas oublier, on a quand même 4 minutes sur les principaux favoris. Donc même si on perdait un peu de temps là, on était quand même bon. Mais aussi on peut éviter hein, de perdre du temps, c'est quand même bien. Allez, du coup un groupe de 6 qui est sorti. Avec Reichenbach qui est sorti tout seul. Tout seul, ok. C'est lui qui a tenté. Allez. Récupérer parce que là niveau barre bleue c'est pas énorme. Se caler à l'arrière du groupe ça peut être pas mal en vrai. Et puis on attend. Et puis on attend. Et puis dans le dernier kilomètre, paf. On surgit et on vient s'imposer à Chambéry sur une étape de montagne. Plus un montagne, plus un descente. Et ça, ce sera intéressant pour le futur du Dauphiné en plus et pour le Tour de France aussi après. Allez, attaque de Martine. Suivi par Rigoberto Urán. Allez, nous avec One2Free, on suit. On reste dans le peloton puisque le peloton va revenir à chaque fois. Et puis c'est nul, en plus ils programment les étapes dans la plaine. Aucun intérêt. Aucun intérêt vraiment de programmer les étapes dans la plaine. Les attaques dans la plaine, pardon. Autant les mettre dans le monde du chat et puis qu'il y ait un peu de spectacle. Bah, l'année dernière, il y avait des attaques dans le monde du chat. Et puis là, ils les ont enlevées pour le jeu 2018. C'est ouais, c'est con, c'est con, c'est con. Allez, 43 coureurs dans le peloton, 5 km, va falloir résister. Hein. Va falloir récupérer aussi. Parce que si on reste comme ça, le sprint final, on se le met dans le fion. Allez, attaque de Dani Martin. Attaque de Daniel Martin qui attaque, suivi par Nibali. Et un peu tout le monde, hein. Suivi par un peu tout le monde. Allez, là, faut s'accrocher à l'avant du peloton. Parce que si on reste à l'arrière pendant ces moments-là, on n'est pas, bah, niveau sprint, on sera pas très bien. Allez, le truc, c'est qu'ils se regroupent tous, que ça considère comme peloton et que personne récupère. Et qu'on revienne comme ça. Ouais, ma chute dans la descente, je vais la regretter, hein. Ma chute dans la descente, je vais la regretter. Allez, 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 allez. One, two, three, je peux pas rouler, hein. Je peux pas rouler, je peux pas me permettre de rouler avec cette barbe là. Bon, le truc, c'est qu'au moins, on risque pas de perdre de temps, mais pour le sprint final, ça sera mort. Ça sera mort. Allez, Pozzolivo, il a un max de barbe bleue, là, il va tenter de faire un truc. Allez, 2 km avant la ligne d'arrivée, il y a un groupe de 10 devant. Wellens qui tente de faire le jump. Allez, 32, un peloton de 32 juste ici. Allez, pas perdre de temps au moins sur ce peloton. Allez, bah c'est sûr qu'on va pas s'imposer. C'est sûr qu'on va pas s'imposer. Si Pozzolivo il pouvait faire le sprint, ce serait excellent. Allez, hop, je sais rien que ça va pas marcher, hein. Je me doute bien. Oui, yes, putain, mais j'ai appuyé là, ça se remet là-dessus. C'est incroyable, incroyable. Faut attendre les 700 mètres pour demander de sprinter quand même. Ça, c'est énorme. Allez. Nous, de toute façon, voilà, j'ai demandé à Pozzolivo de sprinter. Nous, de toute façon, on pourra pas sprinter. Au moins, ne pas perdre de temps. Au moins, ne pas perdre de temps. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas vu qui s'imposait. Bennett 2, Dumoulin 3. Pile à la dernière place du peloton, mais on passe dans les temps. Et c'est ça qu'on voulait. Même s'il y avait peut-être possibilité d'aller chercher la victoire. On finit dans les temps. Donc voilà, aucune perte de seconde aujourd'hui. Ça, c'est bien. Victoire d'Adam Yates, du coup, devant Georges Bennett. Top Dumoulin, Sébastien Reichenbach et Bouke Mollema. Adam Yates qui vient donc s'imposer ici. À Chambéry, nous on fait 43ème, le dernier du peloton, mais on est dans le peloton et c'est ça qui compte. Donc voilà, Pozzolivo qui fait un top 20. Et donc juste deux backers, Keir Dele, effectivement. Et du coup, on est plus que 174 dans le peloton de Scriterium du Dauphiné. On est toujours en tête, du moins qui reprend juste quelques bonifs. Mais on est toujours en tête avec 4-3 d'avance. Va falloir les conserver avec les deux étapes de montagne qui arrivent, ça va être compliqué. Et au final, le podium, le top 10 au moins. Le top 10 au moins. Le meilleur point du coup c'est nous. On est en tête devant Sepulveda. Donc c'est cool. Le vert c'est nous. Le blanc c'est nous. L'équipe c'est nous. Et le combatif c'est pas nous. Mais en même temps c'est compliqué d'être nous. Donc allez. Toujours en tête du Pro Cycling Duel. Et par équipe on y va. L'énergie pour la prochaine étape vers l'Alpe d'Huez. C'est pas mal. On gagne aucun objectif de carrière. C'est parti pour Alpe d'Huez avec la double Alpe d'Huez. On va prendre cher hein, j'annonce. Une mauvaise forme encore, hein. Bah écoutez, voilà, va falloir faire avec 74 montagnes si on arrive à pas perdre le jaune aujourd'hui, même pas perdre le jaune aujourd'hui, hein. 4 minutes de perdu, c'est largement faisable sur un favori, donc, bah écoutez, on va envoyer Mas, ouais, Mas dans l'échappée, voilà, il va partir dans l'échappée, nous, avec One2Free, on va tenter de faire le truc le maximum, hein. Quand même, se retrouver au sprint intermédiaire, voilà, pour assurer définitivement le maillot vert, et puis, en fonction... De quand, bah déjà je pense qu'on sera déjà obligé de prendre notre gel bleu dans la première ascension, je pense, ça va être très, très rapide. Donc ouais, ça va être une étape très très compliquée. Hop, 5 petits points, oula, 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 ok, non c'est bon, j'ai eu peur. Allez hop, 4 petits points gratuits qu'on va se prendre pour le maillot vert, donc à l'avant ils sont 11, hein. Voilà, je vous laisse défiler, il y a même, regardez, Masque à 7 minutes 6.
Et du coup, Mas qui va prendre la tête du classement général, qui prend provisoirement la tête, même Tige Benoît qui est devant lui. Il me semble qu'il y a aussi Pierre Roland qui est pas affiché là, qui devrait prendre la tête. Et donc, voilà, pour cette échappée assez bien garnie, assez bien fournie. Et donc, voilà, nous ça va être dur hein, de résister comme je le dis, mais prendre l'échappée, je pense pas que ça aurait été une si bonne idée. Allez, on arrive au sommet du col de Sarenne avec One to France qui fait un petit peu distancé. J'ai été même obligé de prendre tout mon gel, mais ça se trouve, on va pouvoir revenir dans la descente. Hein. Il n'y a qu'une minute d'écart, j'espère bien qu'on puisse revenir dans la descente. En tout cas, je vais tout faire pour, mais de toute façon, sans gel bleu dans l'ascension finale, ça va être dur. Hein. Allez, on est rentré sur le peloton, pas sans effort. Avec la descente, là, on va pouvoir récupérer à fond la barre bleue, mais on a toujours plus de gel bleu, hein, du coup, et ça va être très compliqué de résister dans l'Alpe d'Huez. On se fait distancer, évidemment, fallait s'y attendre. On a toujours Pozzoivo hein, qui est dans le groupe à l'avant, mais voilà, on se fait distancer. L'objectif, ça va être de perdre le moins de temps possible. Mais de toute façon, il y a Roland à 7,21, donc voilà, défaillance. Le maillot jaune est perdu, je pense. Pierre Roland qui s'impose au sommet de l'Alpe d'Huez, bah putain, comme en 2011. C'est beau, Formolo qui va venir chercher la deuxième place derrière, Reichenbach 3ème, O'Connor 4, Binous 5, et derrière un groupe avec Quintana et Froome qui sont extirpés. Voilà, Pozzoivo est loin, il est dans un groupe avec Uran Woods et Yonis Aguirre. Nous on est à 9,22, on a pris très très cher, voilà, même sur les premiers, hein, ce groupe-là, on prend plus de 4 minutes. Donc voilà, fallait s'y attendre, on va perdre ce maillot jaune. Aujourd'hui, on aura quand même fait une. À beau Dauphiné, on l'aura porté presque pratiquement tout le Dauphiné à part la première et la dernière étape. La barrière la plus utile du monde, hein, clairement. Donc allez, voilà, 400 mètres. On va franchir la ligne en 37e position. Voilà, étape pas fifou hein, de notre pas folle de notre côté, mais voilà, je m'y attendais. M'attendais à faire une étape pas folle donc. Ok, c'est là qu'on doit arriver, non je sais pas. En tout cas, voilà, on franchit la ligne 37e position, on a Henrik Mas juste derrière. Voilà, ça a été une étape très très compliquée. On s'y attendait, comme je le répète depuis 10 000 fois. Allez, victoire de Pierre Roland devant Formula 1 Reichenbach. Le premier favori qui franchit la ligne, c'est Christopher Froome devant Quintana et Porte. Pozzoivo fait une belle 20e place tout de même, pardon. Nous, on est 37e, assez loin quand même avec One to Free à 10 minutes 5 de Pierre Roland. Et le vainqueur, et il y a 3 hors délai, pardon. Boos, Daniel et Van Poppel. Et du coup, le général, c'est Pierre Roland qui prend le maillot jaune. Mais wow, Pierre Roland en jaune. Pierre Roland en jaune. Donc, Christopher Froome, Nero Quintana, Formula 1 et Porte. Nibali qui est 6ème, Reichenbach 7, Martin 8, Binot 9 et Okodor 10ème. Et nous on descend à la 17ème place et Pozzoivo qui est 18ème. Donc voilà, accrocher un top 10, ça me semble très très compliqué. Tout de même, le poids, c'est Pierre Roland qui les a accrochés, les maillots à poids au moins. Peut-être, voilà. Et le maillot vert, par contre, on est large. On a même pu jouer le sprint intermédiaire. À part si on peut passer en tête, vu qu'il faut qu'on passe en tête de sprint intermédiaire. Le blanc, on est 3ème. Wow, ça va, bon combat en tout cas entre Binot et O'Connor là. Le maillot blanc aussi, pourquoi pas. L'équipe c'est là, Education First, on est 5ème et le combatif c'est Lutsenko. Donc allez, on y va. Voilà, toujours en tête évidemment. L'énergie qui est pas top. Hein, voilà, pas top. Avant cette dernière étape, pardon, avant cette dernière étape entre Annecy et le Semnoz. On est parti. Allez, mauvaise forme avec One to Free, Sprinter. Il est devenu un sprinter, bon c'est juste parce qu'on a le maillot vert, c'est nommé sprinter du coup. Je me dis, ça se trouve, il y a moyen de prendre l'échappée, on est 17ème. Donc quitte à pas faire un bon résultat, ça se trouve l'échappée peut aller au bout. Et on peut aller chercher un maillot à poids. Donc je vais te prendre l'échappée, 17ème. Sachant que quand on était maillot jaune, ça nous laissait partir. 17ème, il y a de grandes chances quand même que ça laisse. Donc on y va, voilà, et puis on se retrouve au sommet des différents grimpeurs. On est 4 dans l'échappée, je peux prendre mon gel, hein, de toute façon l'autre est dans pas longtemps. Mais là on est vraiment fort, ça roule derrière parce qu'il y a Tige Benoît qui dérange un petit peu. Donc à l'avant on est Tige Benoît, Julien Alaphilippe, Pointe tout free et Bocchio Moléba derrière. Il y a Mentias qui vient de contrer. Donc là ouais, ça prépare une grosse échappée. Bon, je vais prendre tout mon gel bleu. De toute façon il y aura une zone de ravitaillement dans pas longtemps pour récupérer. Allez, 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 faut tenter de passer en tête. Là on est avec Benoît qui a exactement le même nombre de points que nous. Et derrière, aucun coureur pour le maillot à poids. Attendez, on va jouer ce grimpeur là et puis après je regarderai qui est en tête du maillot à poids juste pour se fixer un petit peu une idée. Allez, on les a distancés. Le virage, il faut en profiter. Allez, allez. Ah ouais, je suis rentré dans la barrière, mais c'était obligé. Et allez, ou 15 secondes, d'accord. On est passé tranquillement. Et juste, qui est donc en tête du maillot poids? C'est Roland avec 71 points. C'est... Ah non, c'est pas rattrapable. Hein. C'est pas rattrapable. 5 plus 2, 7. Du coup, là, on est à 47, c'est ça? Donc, on ferait à 54, plus les deux autres, 58. Et en passant en tête, 60. Ah ouais, non, faudrait limite gagner l'étape. Faudrait aller au bout.
pour remporter ce meilleur point, puisque ça nous ferait 68 points en passant au sommet du col pour de première catégorie. Donc faudrait aller au bout véritablement pour remporter ce maillot à poids. Donc ouais, on va tout donner dans tous les cas. Et allez, il y a d'autres coureurs qui sont avec nous. Donc il y a Mollema, Menchès, Alaphilippe et donc nous, et Binout. Derrière, on a Zakarin, Ulissi, Brambilla et Adam Yates, qui a gagné l'étape de Chambéry. Donc Jungels, Van Endert aussi derrière, et Chavez qui vient juste de contrer. Donc voilà, il y a du mouvement, il y a du mouvement pour l'instant. Allez, on va tout donner avant ce grimpeur pour passer en tête. Ils sont assez cuits les autres alors que nous on est mieux. Allez, on lance le sprint dans ce col de l'Échaud. Est-ce qu'on va réussir à passer en tête? Est-ce qu'on va réussir à passer en tête? Allez, 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 on donne tout. On donne tout. L'objectif c'est de passer en tête, parce que si on double rien qu'un point, ça peut faire la différence. Attention, attention, c'est qui est avec nous? C'est Luis Menchès. Est-ce que Luis Menchès va nous prendre le point? Non, c'est bon. Non, c'est bon. On passe en tête 2 points juste devant le sud-africain Luis Menchès de la Dimension Data. Allez, on est à la côte d'Aillon le Vieux. On est donc 18 à l'avant. Un bel échappé. Voilà, quelques lâchés encore. Mais on est 18 à l'avant. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ok, allez, allez, c'est je parle tout seul. Oh non, Lopez, non, Lopez, là c'est absolument pas des points qu'il faut louper. Mais avec nos qualités de puncher, normalement on a la possibilité d'être de passer en tête. Mais il y a quand même Julien Alaphilippe qui est très bon puncher. Julien Alaphilippe qui va laisser Jungels jouer les points. Hein. Il est mieux placé. Allez, on passe en tête. Ok, on passe en tête, ça c'est cool. Devant Tish Benoît en plus. Allez, nouvelle côte dans quelques kilomètres. Allez, on est dans le col dépressé. C'est Tish Benoît qui lance là. Va falloir passer en tête encore une fois. De toute façon, faut passer en tête d'un maximum. À 18, il y a moyen qu'on aille au bout tout de même au Semnos. Hein, mais ça va être compliqué quand même. Puisqu'il y a un peloton qui veut certainement gagner et reprendre le maillot jaune à Pierre Roland. Et pour ça, il va falloir tenter des attaques. Et donc il va falloir revenir sur l'échappée un jour ou l'autre. Allez, 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 ça s'arrête. On a Jungels sur la droite là. Est-ce qu'on est capable de doubler Bob Jungels? Oh oui, on va le faire. On va le faire. Et Quentin Toufran va passer en tête de ce col des prés encore une fois. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais l'important, ça va être surtout ce col, ce Mont Revard, où il y aura 10 points à prendre. Mais surtout l'arrivée aussi. Voilà. Et le passer en tête du sprint intermédiaire. Mais oui, passer en tête du sprint intermédiaire. Regarde. Ah non, on peut pas voir. On peut pas voir les objectifs. Ouais. Mais on doit passer en tête d'un sprint intermédiaire. Et ça va falloir le faire. Allez, on est dans le Mont Revard, c'est Fabio Aru qui lance. Oula, on s'est un peu bloqué. Fabio Aru qui lance, suivi par Diego, par Rui Costa. Il l'emmène, Rui Costa. Ou alors il joue pour son propre grade, je sais pas. Mais là, va pas falloir laisser partir. Hein. Parce que si on prend que 6 points, bah, faudra gagner carrément au sommet du Semnos. Et ça, ça me semble pas possible. Et j'ai pas envie de prendre de jet bleu. Ah, c'est pas bien du tout là ce qu'ils ont fait. Ça nous arrange pas du tout. Allez, je suis obligé de prendre une petite pincée de sel. Ah ouais, on se fait reprendre. Ah non, 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 c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Allez, comment ça se fait qu'il craque pas les autres? Binout, il a pris l'échappée hier, normalement il est censé craquer. Ouais, mais il a... Ah non, 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 le maillot jaune c'est mort. Le maillot à poids c'est mort, j'ai pas envie d'utiliser mon jet bleu, j'ai pas envie. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Jungels qui passe en tête en plus. Il se met bien, Bob. Oh, grosse chute de Bob Jungels à l'arrière. Grosse chute de Bob Jungels dans l'échappée pendant que j'étais en train de revenir. Grosse chute de Bob Jungels. Et du coup là, ça va tout désorganiser. Hein. Jungels c'était quand même un coureur important de cette échappée. Allez, on arrive au sprint intermédiaire, ce serait bien de passer en tête puisqu'on a encore des objectifs au niveau du sprint pour passer en tête de sprint intermédiaire. Donc allez, on va lancer. On va lancer, de toute façon je sais que aller au bout ça va être très compliqué avec, avec cette échappée. Donc allez, tout donner pour ce sprint intermédiaire, est-ce qu'on est capable de passer en tête? Binout qui nous le dispute. Ok, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur un moment, elle est récupérée aussi, il faut faire attention à ça. On se fait reprendre par le peloton, voilà, pas de maillot à poids, de toute façon ouais, on l'aurait pas eu. À l'avant, il y a Mathias Aru, Crushvike, Kelderman et Binout. Hein, c'est les plus forts en montagne. On se fait distancer, on va finir l'étape tranquillement. Ça m'étonnerait que... Mais non, mais non, mais... Oh, l'intelligence artificielle, à quel instant Pozzo Ivo protège Sepulveda. Nero Quintana qui s'impose au sommet du Semnos. Bah du coup, Pozzo Ivo, il va faire un truc de nul au classement général. On a Roland dans notre roue, on va finir devant le maillot jaune. Bon, ça se trouve, il va finir quand même devant nous, hein, mais bon. On finit dans son groupe, allez. Voilà, c'est Quintana qui s'impose devant Porte. Et a priori, Quintana qui devrait prendre le maillot jaune. Ouais, c'est ça. Quintana qui va donc remporter ce Dauphiné. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, Quintana en jaune. Allez, on va franchir la ligne du coup en 29ème position a priori. Allez, allez. Lopez qui sprint. Bon, mec, si t'es à ce moment-là, c'est que t'as plus de, c'est que t'as plus d'énergie. Hein. Si t'es à cet endroit-là, là, c'est que t'as plus d'énergie. Allez, allez. Passer devant Kreuziger, le top 30. Le top 30, je crois que ça le fait. Victoire de Quintana au sommet du Semnos. Eh, mais il avait remporté cette étape en 2013 en plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il avait remporté cette étape du Semnos. Devant Richie Porte. Bon, c'était pas devant Richie Porte à l'époque. Nibali 3ème, Bardet 4 et Menchès 5. Bah, je vais vérifier. Hein.
Non, c'était devant Purito. C'était devant Purito, j'avais peur de dire de la merde, donc c'est bon. Menchies, 5e à Roux, voilà, qui sont là, et Froome qui arrive assez loin. Nous, on finit 30e. Top 30, top 30, magnifique. Pozzuivo, 31e. Il y a Tilde hors délai. Sinkeldam qui est hors délai, ok. Hors délai de Sinkeldam. Donc, du coup, le général reporté par Quintana, il se met en confiance avant le Tour de France. Richie Porte, 2e. Nibali, 3e. Froome, 4. Et Bardet, 5e. Nous, on accroche un top 19 avec 1-2-3 et Pozzuivo. Top 21. Du coup, le maillot à poids, il est pas pour nous. On finit ce Dauphiné à 170. Le maillot à poids, il est pour Pierre Roland, du coup, qui, même s'il repart pas avec le jaune, il s'y attendait. Il repart avec donc ce maillot à poids. Nous, on est quatrième à ce classement-là. Le maillot vert, c'est 1-2-3 devant Viviani et Sagan. Le blanc, c'est Tish Bunot devant Ben O'Connor et 1-2-3. L'équipe, c'est la EF Education First. Pardon, on est sixième et le combatif, c'est Alexei Lutsenko. On est troisième au classement du combatif. Voilà, on est en tête du pro cycling individuel et en tête du pro cycling par équipe. Aucun objectif. Ouais, on est passé en tête d'un sprint intermédiaire au moins. Voilà, il nous en reste encore 8 à gagner. Ouais, ça va arriver au fur et à mesure. Hein. Et donc voilà, la prochaine fois, les amis, on commencera ce Tour de France 2023. Là, il a fallu attendre 5 saisons professionnelles quand même pour jouer le Tour de France. Hein. Après, ouais, il y en a qui attendent, qui ne le font jamais, mais bon, voilà. Il y a pas énormément d'étapes de plaine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ouais, mais au final, ouais, 7, 8, ouais, bah, avec toutes celles qu'il y a en première semaine, au final, ça s'équilibre. Bon, bah voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéogramme qui m'a. Voilà, c'était cool à le jouer quand même. On repart avec un maillot vert, du coup, pas de victoire d'étape. Mais voilà, c'était un épisode quand même assez long, j'espère que vous l'avez kiffé tout de même. La prochaine fois, on commencera le Tour de France, comme je vous dis. Donc voilà, pouce bleu, abonnement, partage. J'espère que vous avez aimé. Pour ma part, c'est 1-2-3. A plus, les gars.